Deuxième moitié, donc on t'est rendu à certification Canva qu'on a diminué pour qu'il épouse notre cadre. Voilà, il suffit maintenant de sélectionner les deux et de leur attribuer la couleur noire. Voilà, certificat du logo, certification Canva et le tour est joué. Là, il ne nous reste plus qu'une seule chose, c'est tout simplement les contacts. Pour les contacts, c'est assez simple. On va tout simplement créer déjà les formes. Dans les icônes, on va taper l'icône téléphone. Aller dans les graphiques, voir une icône. Comme celle-ci, c'est assez bon. Malgré qu'il a un filigrane, on va l'utiliser. Comme je l'ai dit, donc je vais bloquer tout ceci. Je vais descendre avec l'autre. Voilà. Voilà. Je vais ajouter une ligne. Je vais ajouter l'email également d'abord déjà. Email. C'est pas le genre d'email. Voilà, email avec une flèche qui montre qu'il part. On va voir, essayer de retrouver cela. Donc ici, c'est animé. On ne veut pas. À graphique, on va aller à graphique. Voilà, donc on a des modèles mobiles, des modèles animés et des modèles statiques. Il suffit de trouver le modèle qu'on recherche. Donc voilà, il se rapproche de ce modèle-là. Voilà, encore mieux. Donc ici, ce sera simple. On va savoir jouer étant donné que il n'est pas dans un cercle. On sait, comme je disais tout à l'heure, construire un modèle. Donc, je vais ajouter tout simplement là un cercle que je vais utiliser comme son arrière-fond pour qu'ils soient tous harmonieux. Voilà. Donc, voilà. Je vais mettre du noir, par exemple, pour qu'il épouse l'autre. Je vais mettre tout simplement ceci en blanc, le mettre à l'intérieur. L'agrandir. Vais mettre ceci. Faire reculer le niveau. Voilà. Je vais remettre à l'intérieur. Légèrement. Je vais centrer. OK, c'est fait. Donc là, je sélectionne le tout que je vais grouper. 1, 2. Grouper. Donc, une fois ceci fait, j'essaie de diminuer pour poser. Je peux zoomer pour mieux voir afin de bien diminuer. Alors, je mets là, j'ai la ligne. J'aligne les têtes. Je diminue en sorte que le bas s'aligne également. Voilà, c'est fait. Mais je peux les aligner. Dernière partie, c'est créer l'espace pour les numéros. Également une ligne que je sélectionne. Je viens avec cette ligne-là. Alors, la suite, c'est tout simplement donner à cette ligne-là une forme arrondie sur les côtés et une épaisseur qui épouse sensiblement celle de l'icône. Le reste, il suffit de les aligner pour les jouer. Donc, voilà. Tour est joué. OK. La couleur, c'était du noir. Le texte qui ira à l'intérieur,
c'est tout autre chose. Je vais découper là. Et on va voir le texte maintenant. Le texte, quant à lui, je peux prendre ceci. Il suffit de lui donner une police assez petite qui rentre clairement dans notre. Et ensuite, le reste, c'est simple. Il suffira tout simplement de mettre bureau Afrique. Bureau Afrique. Et d'y mettre le contact, qui est tout simplement le plus 237. 670. 50, 52, 44. Donc, ceci fait, le reste, c'est tout simplement savoir si jouer du dimensionnement, du gras, et le tour est joué. Donc, voilà. Très diminué. La taille, voilà. Donc, ici, je peux diminuer également sa taille. Ok, c'est bon. Ceci fait, je peux grouper tout ceci. Je vais grouper. Alors, la suite, c'est quoi si j'ai groupé? C'est de copier, coller et placer ceci. Apparemment, ce n'était pas groupé comme il fallait, c'est pas groupé. Le texte n'était pas sélectionné. Donc, je vais m'assurer de sélectionner tout. Voilà, cette fois-ci, groupé. Je pense que c'est bon. Je copie, je colle, CTRL-C, CTRL-V, je déplace tout simplement. Et là, il me suffit de changer les éléments du bureau. Bureau. Filigrane gêne un peu, mais ça va partir très vite. Donc, le bureau Europe, il suffit de copier le numéro plus 32 489, plus 32 489, plus 32 489. 50, 38, 74, 50, 38, 74, 50, 38, 74, et le tour est joué. Voilà. Donc, ceci fait, il ne nous reste plus qu'une chose. Donc, c'est notre adresse email qui est tout simplement contact@africskills.com. Donc, ceci dit, il suffit que je copie ceci, trouver, je vais dégrouper, supprimer ceci et mettre l'adresse contact@ skills.com. Voilà, le tour est joué. Il suffit pour moi maintenant de déplacer les deux ensemble. Je vais diminuer d'abord mon texte. Voilà, ensuite ok, je pense que c'est assez aligné. Je vais grouper. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je constate que c'est trop large. Ce n'est pas grave. Je vais tout simplement diminuer. Voilà. Une fois fait, je sais repositionner les éléments comme bon me semble. Alors, ceci et ceci, je les groupe également et je repositionne.
Pareillement, je repositionne. Je peux centrer ceci. Le tour est joué. Ou encore, je peux encore mieux faire. Il suffira tout simplement de diminuer l'épaisseur. Voilà, je peux mettre l'épaisseur à 25, pourquoi pas, ou 30. C'est déjà beaucoup mieux. Pareillement, l'épaisseur à 30. Non, je confondis. On va revenir en arrière. Voilà. Dégrouper. On va prendre juste toute la forme. Voilà. Et lui donner l'épaisseur 30. Peut-être même étirer un peu, puisqu'il n'est pas en majuscule comme les autres, et augmenter la taille ici. Voilà. On va reculer légèrement, centrer. OK. Également, là, l'épaisseur peut diminuer à 30. Et le tour est joué. On peut regrouper le tout. Ceci doit s'approcher un peu. On peut grouper tout ceci. Voilà. Et le tour est joué. C'est fait. Donc, autre chose, on peut constater également que cette icône est encore très large, alors on peut l'aligner avec l'épaisseur de notre visuel, c'est assez simple. Et si on veut essayer, ça ne marche pas, ça veut dire la taille est peut-être en fonction du visuel, il faudrait sans doute zoomer. Voilà, et là, ça devient plus facile de modifier. Il faut savoir ici c'est groupé. Diminuer. Ceci, par contre, a besoin d'être diminué séparément. Donc, je vais tout d'abord ceci plus petit et là l'agrandir, déplacer. Donc, il atteint sa taille la plus petite sans doute. Voilà. Puis faire les autres rattraper son niveau. On a notre cif d'aider de réaliser. Puis, on peut changer les couleurs également, du bleu foncé ou autre. Donc, s'il faille modifier les couleurs, c'est facilement faisable. Merci. En un clic, c'est fait. Et le texte. Moi.
Super. Donc, merci, c'était tout pour cette séance.